déjà. Donc nous-mêmes, nous croyons que faut que le pays a lui-même et avancé. Nous croyons que faut que nous toujours continuer à discuter, à réfléchir, parce que la situation du pays est là, depuis du fait que nous constatons son évidence. Acteurs nous, nous pas trop croyons que nous avons la capacité de transcender. L'expérience l'a montré. Après un pile temps, le palais national lui-même est vide. Jusqu'à présent, il n'y a pas de dépassement qui fait. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'effort qui fait pour que les femmes et les garçons ici, qui ont fait politique, qui sont en opposition notamment, et pour mettre de côté ça comme intérêt misque, pour mettre de côté ça comme intérêt individuel, puis privilégié, ou pour mettre en fait au-dessus de tout ça qui est comme intérêt du clan, les intérêts supérieurs de la nation. Et moi, je crois que c'est ça que fait Jodia. Blanc, les venons un moment, après un pile temps de palabres, après un pile temps de discussions, après un pile temps de chirépite, et que pas qu'à vous entendre, pour vous proposer une alternative, opposition, les femmes et garçons qui la donnent pas qu'à proposer une alternative, ils n'ont pas qu'à montrer qui ça aurait comme capacité, blanc dit, eh bien, moi-même, moi, je n'ai posé pas maintenant. Et finalement, ça le fait comme imposition, son imposition qui est contraire à Sam Dakarele, histoire et sociopolitique en Haïti. Puisque justement, pendant tout le temps de 1987, spécialement date qui a été adoptée et constitution qui est en vigueur là, le 29 mars 1987, on date qui était marqué le début de l'expérience démocratique en Haïti, de la transition démocratique en Haïti, en période jusqu'à présent de la donne, puisque la démocratie a pour jamais consolidé. Et moi, je crois que c'est la deuxième fois côté que nous avons fait une expérience de gouvernance sociopolitique, économique, avec un premier ministre, donc qui pas bien président dans tête. Alors que nous connaissons dans pile monde qui va connaître qui connaît et monde qui pas connaît lui peut-être yo majoritaire, mais les têtes pensantes de ce pays, les élites de ce pays connaît clairement que nous en Haïti nous avons culture et présidentielle. Donc population toute sale gagne comme problème. Problème qui a rapport avec l'insécurité. Problème qui a rapport avec la dégradation de l'environnement. Problème qui a rapport avec l'incapacité que le gain pour répondre à ça comme nécessité primaire. Manger à l'hôpital, à l'école, généralement, dans la protestation, dans la revendication, il y a adressé la présidente de la République là. Alors que, sur le plan constitutionnel, sur le plan légal, monde qui bosse administration, personnage politique important selon la constitution que l'État doit adresser avec elle pour dire que les grands goûts, les pas gain sécurité, les pas qu'à à l'école, les pas qu'à manger, les pas qu'à à l'hôpital, c'est-à-dire le premier ministre, le chef du gouvernement, le boss de l'administration, celui qui a la responsabilité de la politique de la nation. C'est à lui-même, sur le plan constitutionnel et légal. Mais dans la revendication de la population, il est toujours demandé, il est toujours dit président le gangou, président de sécurité, président n'a pas le travail, président petit n'a pas à l'école. Donc c'est pour dire, ensemble de pratiques, ça a montré combien que nous sommes l'État. Nous sommes société qui ont culture présidentielle. Qu'on ensemble des raisons historiques certainement qui expliquaient ça. Nous connaissons pendant 1804 à 1986, spécialement 7 février 1986, date côté que nous avons société à décidé d'opérer en rupture avec les pratiques, les formes de gouvernance dictatoriale. Pendant tout le temps, ça c'est. Nous n'avons jamais eu de pouvoir démocratique. Nous avons eu des tentatives.
de tentative qui fait en 1806 avec la constitution qui a une certaine caractéristique démocratique de Bétien. Nous faisons tentative là en 1843 par exemple avec et Ndakabzi après renversement Jean-Pierre Boyer, nous avons fait tentative pour nous être capable de rupture avec la dictature. Nous faisons essai en 1867 également. Mais tout essai ça n'a pas arrivé abouti puisque pratique yo, tellement ancré, tellement dominé, tellement prend le dessus pratique dictatoriale, yo, pratique antidémocratique, yo, eh bien, tentative ça n'a pas jamais réussi. En 1987, nous avons essayé de faire tentative là. Jusqu'à présent, nous sommes dans la transition démocratique. Nous pas jamais capables de faire effort dans la gouvernance pays, dans l'action politique qu'on a posée, dans l'institution pour nous mettre de côté les pratiques dictatoriales, les pratiques antidémocratiques, pour nous respecter dans le mieux, pour nous renforcer les institutions. Donc c'est qu'on s'allie. Donc, et Jodia, c'est la situation d'exception que nous sommes là, la situation exceptionnelle que nous sommes là, ça montre combien, eh bien, démocratie a nous voulu, nous t'a voulu mettre en Haïti, mais nous sommes jamais prêts pour nous faire sacrifice, nous sommes jamais prêts pour nous conformer nous à principes ou à normes qui sont capables de faire démocratie à bourgeonner, qui sont capables de faire démocratie à consolider. Nous ne sommes jamais prêts pour que nous disons tolérants, pour nous respecter et l'autre là avec idil. Bien évidemment, nous-mêmes dans ce couple-là, ici débat, nous faisons effort, nous toujours, débat toujours fait de manière contradictoire. Joseph Campan respectait idée Val, Val respectait idée président Jean, président Jean respectait idée Gary Pierre Bochal. C'est comme ça que toujours fait. Et ça que fait, moi toujours dit, ici, c'est l'espace d'apprentissage démocratique par excellence. C'est-à-dire dans le parti politique, yo, mais le parti politique est beaucoup prêt. Les gens qui sont beaucoup prêts pour faire démocratie. Et si pas un parti politique qui est prêt pour faire démocratie, c'est certainement. Eh bien, le pays là très loin pour gagner la démocratie. Nous comprenons ça. Nous continuons à poser des problèmes. Nous même dans Haïti débat pour nous, on leur qui solutionne Gajouen. Après-midi à nous là, pour nous faire débat, nous saluer notre ami, mon frère de Las Carobas, Campagne Joseph. Comment nous y faisons? Bonsoir Valéné, bonsoir à toutes fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Haïti débat. Donc, en tout cas, Val, nous pouvons parler, Val. Val. Oui, et nous pouvons parler certainement et pratiquement aujourd'hui. Et qu'on est fond balé par là. Bien. Nous fond balé. Et pour nous parler de Zéa, je dis à c'est certainement, nous avons invité de marque. Ce n'est pas pour me faire joler, non. Mais il est de mon département, il est très solide. Et il est passé de présentation. Campagne. Très bien, donc comme je disais, bonsoir à tout le monde. Tout le monde qui en fait a suivi l'émission. Et je profite de l'occasion pour saluer Monseigneur Michel Petitpré qui nous regarde du côté de Lille, donc à Hasbrook en France. Puis les amis de la France, nous saluons. Donc Cani qui n'a pas jamais raté l'occasion pour le suivre l'émission. Ça. Et puis Madame Bennett, bien sûr, presque sûre à 100% que l'a suivi l'émission puisqu'elle n'a pas jamais raté l'occasion pour le suivre. Donc Jean Tédil, Val, jeudi, hein, nous prenons analyser, nous prenons faire débat. Un ensemble de questions que en pile monde la population t'a posé à l'opposition et en fait à l'homme qui lui-même l'homme des grands dossiers, sénateur Yuri La Tortue, qui est notre invité de cet après-midi. Donc nous prenons causer ensemble avec lui, échanger, puisque il y a des questions pour un pile bras de fer de l'opposition qui ont pouvoir là, qui t'a flâné là, en pile monde dit ou pas comprendre rien qui s'est passé, puisque la prise du pouvoir permet que un ensemble de décisions au niveau de l'État que ou capable de prendre. Et voilà que une bataille pendant 4 ans et en fait le président Jovenel Moïse assassiné et pouvoir censé être dans la rue, négociation, discussion
Et en fait, il y a des gens qui même posent des questions. Est-ce que bataille peuple en fait en vain? Nous allons avoir une réponse là tout à l'heure. Parce que moi-même, je dois oublier que hier, j'ai eu une question pour me poser. Je dis, j'ai eu l'occasion pour me poser à sénateur La Tortue. Puisque les présents sont avec nous, je suis presque certain qu'il pourra gagner pour le banou des réponses. Et puis, amis internautes qui suivent. Donc, nous saluons tout le monde en général, toute radio qui a prôlé l'émission. Ça, Youn di lot, nous prenons échanger avec sénateur Youri La Tortue, président de parti AAA, Haïti en Action. Et donc, nous prenons regarder non seulement l'amour président Jovenel Moïse qui joue dit. Et fait un pile monde comprendre que pays pas en sécurité, ils ont étranger à travers ses analyses qui est mis bas. Donc il l'a dit, il y a d'autres haïtiens qui disent, en tuant un président de la République, on tue le pays, puisque déjà il y a le symbolisme donc qui n'est pas respecté. Et en fait, dans le genre crabinin, assassinin, défilfaré, président de la République. Donc un pile monde comprenne que c'est vraiment. On bagaille qui parfait l'honneur à un pile haïtien ou bien cap à l'étranger. Et même si yon moun te contre idée président Jean le bataille Jean le fait bagaille, mais un pile moun comprend que président de la République assassiné l'enjeu l'assassiné, hein, c'est une honte pour la République. Surtout mon pile zami cap vivre dans la diaspora qui dit que yon senti yon gêné. Même Jean, mon ami m'a rencontré hier qui n'a USP qui n'a pas les national, li dit li pas posé aucune question. Parce qu'il travaille à la CAI président, il n'a pas eu aucun collègue, parce que jusqu'à présent, il a cherché qui théorie qui pour expliquer Jean-Président assassiné, même lui-même n'y va joindre. Donc, vous voyez que c'est très compliqué, mais enquête là, il semblerait qu'il y a avancé dans le bon sens, mais étant donné que là, il y a une question enquête, et c'est là que nous allons regarder ensemble avec le sénateur La Tortue, tout ça. Et en fait, nouveau gouvernement installation hier, un pile ministre a installé jeudi. Hein. Donc, un pile bagaille mundi. Avant de continuer, pour ne pas faire genou crochu dans la prière, un salut le sénateur Youri La Tortue. N'a dit bonsoir. Bonsoir, Campagne. Bonsoir, Val. Ah, bravo. Ah, ah jeudi, un sénateur, il est Campagne. Bâti de dernière expérience là. Il y avait un appel à l'ordre. Bien bonsoir bien. Marco qui parle là, bonsoir DG GBBC, bonsoir à tout auditeur, auditrice, grand émission ça, qui roule à travers PIA, également à travers tous les réseaux sociaux. Et son plaisir, monsieur, pour me laver nous et pour me répondre à l'invitation. Très bien, nous saluons tous les amis qui ont demandé pour GBBC, l'abvini. Nous connaissons que il y a un pile barrière pour faire dans le pays, il faut qu'on ait une bonne santé. Et donc, santé est extrêmement important parce que combat, ça a qu'une apmène, il faut que la bonne santé. Donc, GPPC a venu. Sénateur, nous recevons aujourd'hui dans un contexte particulier. Maintenant, avant nous venir sur ça qui est plus près, qui est dans la tête tout le monde, que vous comprenez, pays, vivre un moment extrêmement difficile, on bataille entre l'opposition et le pouvoir en place. Maintenant, pas qu'on ait un bagaille qui passe dans le pays. Information qui a circulé montrait que son complot entre haïtiens et étrangers qui assassinaient un président élu. Vous connaissez que vous-même vous très attaché avec la question élu, un monde qui est élu. Même si vous demandez, il faut au métier, il faut gagner contenu dans le panier, le ou élu. Le ou recevoir nouvelle ça, au sein de l'opposition, en fait, font-ils rappel comment nous comprenons. Et je dis, il y a un monde qui a avancé qui dit que. L'amour ça a déclenché, puisque t'assemblé le clairé, j'ai peuple par rapport à ensemble de monde. Ou bien, li mettons foutaise dans la tête, nous le divisons un peu plus. Question noir, rouge, blanc, ça vient nos gros problèmes dans le pays qui parlent des conséquences. Merci, Campagne, mais permettez-moi en abordant une question pour que moi, bon, en certaines explications de questions de sécurité pour nous arriver dans l'événement même. Okay. Avant de nous arriver dans l'opposition. Très bien. Parce que moi, quoi que je dis à tête reposée, faut nous essayer de comprendre ce qui passe à pour que nous pas ait un comportement qui a produit même bagaille. Et après ça, m'a parlé de question opposition. Pays a au moment ça arrivé à nous parler ça plusieurs fois, tu as patougé dans l'insécurité. Ça veut dire que
de façon générale et de façon spécifique à question président que m'va parler de lui. De façon générale, ça qui est arrivé dans pays a son pays côté que la police moi t'ap gardé la police et ça tellement t'est choqué que la police a réagi. Moi t'ai dit que faut mal aider la police. Parce que la police divisée en deux grandes et m'te ka dit deux grandes parties, la DCPJ et la DCPA. La DCPJ c'est pour les opérations et la DCPA c'est pour la prévention. Et c'est la DCPA qui gagne les unités spéciales. Mais ça t'est venu arriver. Il n'y avait presque pas d'unité spéciale dans ce pays. Ça veut dire que ou t'es ouais soit team a fait circulation ou t'es ouais six mots li nan maintien de l'ordre, c'est vrai, c'est le corps d'intervention et de maintien de l'ordre, mais li nan opération, li nan circulation, li nan arrêté moun. Ça veut dire que l'atmosphère générale du pays, avec comme seule force, la force de police, il n'y avait pas de sécurité dans ce pays. Moun ap mouri, n'importe qui gens, yo pa mandé comment moun sa a mouri, et c'était cette situation qui t'ap régné avant, moi te ka di, la mort président. Et ça que t'es venu arriver encore, non, toujours dans cette question, c'est que les unités spéciales, parmi lesquelles l'USGPN, l'USP et le CATSIM, qui étaient responsables de l'unité sécurité présidentielle, que ils ont formé en 1994 pour assurer sécurité présidentielle à partir du retour du président Aristide, même unité ça, il a fait circulation, il a protégé le directeur général, il a protégé le ministre, ils ont quitté le job par yoa. Et sous ta brade bien, même unité de sécurité présidentielle, pas de gain aucun réflexe de sécurité présidentielle. Yo plutôt t'es dans la rue, t'as protégé moun. Et, moi rappelé mon émission m'de fait là, l'homme de dit que m'de vle et aider la police, gain moun qui était passé c'est dans l'opération, m'de dit non, pas oublier que peut-être à cause de l'âge, je m'de pas faire opération, même j'en m'de pas faire, mais m'de professeur et m'de dans l'académie et militaire et la police, et m'de comprendre que j'ai la police a fonctionné là, c'est un pays qui était en insécurité. M'a simplement dit non, alors m'a quitté question la police là, puisque nous en rapport à question président. M'a juste ba nous ont idée de sa sécurité présidentielle. Avant 1994, c'était la garde présidentielle. Tu gagné deux unités qui t'a fait sécurité président, moi t'ai qu'a dit sous Duvalier et jusqu'à 1994. C'était la garde présidentielle qui jouait le rôle de USP, unité de sécurité présidentielle, qui était dans deux présidents, et les casernes de Salines qui étaient joué rôle la protection du palais et de la maison du président. C'était deux unités ça. Maintenant, en 1994, avec le renvoi de l'armée et l'arrivée des Américains, en août 1995, un décret qui sortit et ils ont consacré les trois unités responsables de la sécurité du président. L'USGPN, l'unité de sécurité générale du palais, que Blanc et Oléo ont été formés, ils ont été NPRG, National Palace and Residence Guard. Ils changent nom au décret, ils ont mis en français, l'USGPN. Le 4TIM, c'est l'unité anti-embuscade. Le président de Yo, c'est lui qui joue le rôle pour protéger le président Sigon embuscade. Les liens dans le président, lui joue le rôle deuxième périmètre. Et l'USP, qui joue le rôle dans deux présidents, c'est nèg donc on voit en costume et c'est nèg so qui la caille président moi qui dit en caille la même yo pas de yo et sous prend USP 4 team et USGPN ou presque dans 500 moun. Donc ça veut dire on président pour protéger palais et la caille et ancien président yo gagne environ 500 jusqu'à 600 moun. Parce que dans cas palais et caille président au grand quatrième périmètre c'est le Simo. C'est 6 mois avant d'arriver sur le président. Premier poteau joint, premier périmètre extérieur, et soit regarder le pas dehors. Quatrième périmètre avant joint président, c'est le 6 mois. Que ce soit en de Valéa, il a fait patrouille de Valéa, que ce soit la caille président. Donc, normalement, j'ai une question de sécurité ça a présenté. On ne peut pas t'a franchi 4 périmètres pour arriver sur le président, que ce soit dans palais, que ce soit la caille. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons analysé, nous avons dit, c'est la théorie de l'insécurité. Pays a pathogé l'insécurité, nous avons tombé de tous côtés. Eh bien, au niveau de la sécurité présidentielle, c'est la théorie de la vide brisée. En théorie, en matière de sécurité, que James Wilson à George L. Kelling
yo mette dehors. Le ou gen yon côté gon volè k ap vini et puis le wè gon vite qui déjà brisé. Li pense kaisa pi facile pou entrer parce que si gon vite qui brisé, li ka fin brisé vite ça et brison l'autre parce que déjà gen yon espace. Gon espace pour entrer. Eh bien, notez la question sécurité présidentielle là, le que ou rivé ou quitter sécurité ça a fait l'autre mission ou quitter la fait la protéger directeur général, la protéger conseiller, la protéger disons l'autre monde, ou l'autre réflexe parce que le un agent a protéger un directeur général, un ministre a venu, il pas demander directeur général là, OK, li ou ministre là, l'a quitter ministre là entrer. Par réflexe parce que le ministre est le supérieur. Là pour premier ministre a venu, l'a quitté l'entrée comme directeur général là. Alors que l'agent de l'UIGPN qui protège le président, il n'a pas quitté aucun monde entrée que si le président pas ordonné. Ça veut dire que si on a parlé devant, eh bien, ce soit le secrétaire général palais qui voyait faire la balie, ce soit le président relé pour dire que il était entré. Même commandant unité a pas qu'à changer feuille que secrétaire général va aller avouer. Ça veut dire ou vinn perdre du réflexe le nèg ça deux il a quitté tout le monde rentré et puis le arrivé ca président ça fait me détourner m'entendais que mon a vinn ca président a dit dire qui te mêle mon avec dire même sous te dire dans sécurité présidentielle dire pas ca venir nous pas dépendre de dire si dire ben font bagaille la fait correspondance à président moi même pas gain pour me quitter personne rentré que si c'est président seulement coordonné. Donc, dans ce sens, moi, je crois que Dédé a vite brisé dans le fait que vous avez gardé Jean Sécurité à TIA et que tes gagnants ont allé venir qui n'est pas bon. La deuxième chose, la sécurité présidentielle. Les gros programmes d'entraînement chaque jour. L'homme des commandants de l'UIGPN. Le matin, vous avez le sport, vous avez les cours, petit déjeuner et vous avez l'entraînement dans l'après-midi. Eh bien, ou ap gade unité sa yo ki pa l'entraînement yo perdu réflexion de protection de deux côtés palais et kay président. Donc dans ça ça t'es déjà en situation que plusieurs fois nous lancer appel nous dit il faut faire attention et question sécurité présidentielle faut